De Monsieur Comolli de l'autre côté, d'accord hein? Wow. Voilà. De ce côté, Francesco, tu veux aller de ce côté? Il y a plus de place. C'était ça, tu voulais regarder la télé. Hein? Les enfants, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées la semaine passée. Il y a le grand-père de Shaïda qui est mort. Et Shaïda a été à l'enterrement mercredi de son grand-père. C'est juste Shaïda? Oui. Et puis, Loris, j'aimerais bien que tu restes avec moi. Et puis, pour Shaïda, c'est très difficile de comprendre comment on peut être mort, hein, c'est ça? Oui. Mais parce que tu as toujours l'impression que le grand-père, il va revenir. Oui. Oui. Eh bien, le problème, c'est qu'il va justement pas revenir. C'est moi. C'est Mathéo. Alors, ce que j'aimerais, c'est demander à chaque enfant, on va dessiner où vous pensez qu'on est quand on est mort. D'accord? Mort. Ok. Oui. À côté de la maison, c'est quoi? À côté de la maison, c'est quoi? Moi aussi. Au ciel, tu leur donnes à manger? Non, c'est pas au ciel. Ah. C'est un poulet, c'est moi. Mais quand on est mort, tu nous as dit qu'on allait dans le ciel. Oui. Alors les gens partent avec une valise dans le ciel? Non, la valise, il était dehors. Et mais là, qui la valise? Hein? Ah, mon papa et ma maman. D'accord. Ah, ils partent tous. Ça fait trois maisons. Ça, c'est celle de papa. Papa, il a deux maisons. Et ça, c'est celle de maman. Toute petite, hein. Elle est petite. Et dis donc, t'as fait une valise pour papa et maman. Les affaires de papa et maman sont dans la même valise. Hein. T'es en train de nous dire que t'aimerais bien que papa et maman... Et là, j'ai fait des petites. Et j'ai fait des grosses.
Tu sais ce que je crois, Julien, viens voir. Moi, je crois que tu as fait des chiffres pour montrer à papa et maman comme tu es devenu gentil, comme tu travailles bien. Et tu espères que comme ça, ils vont revivre ensemble, papa et maman. Et ça, c'est un jambon. Chouette alors. À l'automne 2010, Doriane Roditibulaire me fait visiter le jardin d'enfants thérapeutique dont elle est la psychologue responsable. Les trois étages et le jardin de la Villa Maurer accueillent pendant 2 années 10 enfants placés là par la guidance infantile. Le suivi médical est assuré par le docteur Dora Knauer. Les enfants ont entre 2 et 5 ans. Ils passent la journée à la villa et rentrent chez leurs parents le soir. Le jardin d'enfants thérapeutique est placé sous l'autorité des hôpitaux universitaires de Genève, service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, dirigé par le professeur François Ansermet. Nous avons suivi l'équipe pédagogique dans son travail avec 4 garçons et 2 filles en janvier, mars et avril 2011, 1 semaine par mois. Puis j'ai proposé au professeur Ansermet et à Doriane Roditibulaire de commenter quelques-uns des moments de ce tournage. On compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Bravo! 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 Tenez-vous! Julien, t'aimerais que ce soit ton anniversaire? Qu'est-ce qu'il y a sur cette table? C'était les tables. L'ossisson, l'ocos... La laine, tu as raison, Shaïda, la laine. La laine. Oui. Le ciseau, le scotch, oui. Et le stylo, oui. Le stylo et le papa. Le barba papa. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore que tu n'as pas dit? C'est quoi, ça? Locomotive. La locomotive. Le locomotive, c'est le train. OK, vous posez tout ça là? C'est un souhait. Attention. Attention, attention. Qu'est-ce que j'ai pris? Le papa. T'es d'accord? Le papa. Tadam! Bravo. Attention, Francesco, à toi. T'es prêt? Oui. Attention, je cache. Qu'est-ce que j'ai pris? L'orcos. Excellent, t'es d'accord? Tadam! Attention, Shaïda, t'es prête? Attention. Qu'est-ce que j'ai pris? Le stylo. Le stylo. Vous êtes prêts? Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, je vous écoute. Qu'est-ce que j'ai pris? La laine. La laine. Ça, c'est ta préférée. La laine. Hein, la laine. La laine. La laine, c'est vrai. La locomotive, je regarde, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'ai pris encore? Le de la maman. Le scotch. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? Le ciseau. Le ciseau et le saigne. Le ciseau? Et le saigne. C'est quoi le saigne? C'est ça, saigne, comme ça, titi saigne. Ah, le stylo. Le stylo? Oui. Et puis en dernier, qu'est-ce que j'ai encore ici que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce qui manque? La laine. La laine, elle est là. Le papa. Bravo! Regardez voir. Et moi alors, vous m'aviez oublié ou quoi? Marthe, arrête! Là, je suis chez moi. Oh, un train. Après? Bravo les enfants, vous avez très bien travaillé. On y va. Voilà. Je voulais te demander, Emilia, hier, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit à Jean-Louis? Enfin, il était à côté, debout, et au début, il pleurait, il voulait pas. C'était pas d'italien non plus. Alors, c'était intéressant, il n'a pas voulu s'asseoir sur la chaise en rond.
À la réunion. Oui, il voulait absolument être à côté des machines. C'est ça qu'il voulait. Ah. Il veut regarder mais derrière, la caméra, donc non, pas mais, devant. Mais pourtant, on l'a mis, il voulait voir dans la lunette. Oui, oui, on avait mis les choses à côté, mais ce n'est pas suffisant. Mais elle avait dit, la maman, hein, qu'il est fasciné par les caméras et les appareils photos. Et la maison aussi, mais la mienne, oui. Il a jargonné. Et on ne comprend rien, moi je ne comprends rien. Je comprends tout à fait dans l'intonation. J'aurais dit qu'il était triste et fâché, mais dans les mots, il a perdu la convention langagière. Non, il n'y avait ni l'italien ni le français. Non, non, il y avait des mots qu'on comprend. Attendez. Ouf, il y avait bon, pas la dernière, fois que j'ai compris quelque chose, ce qu'il a dit, c'était hier, dans l'école, on faisait la petite histoire avec non, les petites filles. Non, mais la réunion. On parle de la réunion. De la réunion, j'ai rien compris. Voilà. Mais même en général, je trouve qu'il y a peu de moments où je comprends ce qu'il dit. Ça me rappelle vraiment cette phase. Donc, il y a quelques mois, mais il y a bien quelques mois, où il avait passé de phrases toutes faites, robotiques, sans intonation, à un jargon où on perdait la clarté de la parole, mais où l'intonation était significative. Et j'ai l'impression qu'il est revenu là. Mais alors moi, ce que je voulais dire justement par rapport à lui, qui m'a beaucoup interpellée jeudi passé, c'est qu'il est venu 3 fois dans la matinée, il m'a pris la main, il n'avait pas fait ça depuis Noël, sans un mot, alors sans aucun mot, avec un visage que je trouvais défait. Il est venu me prendre par la main pour m'emmener dans la salle. Puis j'ai dû lui dire non, Francesco, tu sais, maintenant je vais jouer avec Shaida. Et 2 fois dans la matinée, dans les moments de transition, alors il a très bien respecté quand la porte était fermée, à chaque moment de transition, il est revenu dans la salle et se plantait devant moi en me regardant sans rien dire et j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'ai envie de dire non. Bah ouais. Et surtout, je l'ai senti, je me suis dit, mais il est complètement déprimé, cet enfant. Moi, je crois que cet enfant sent qu'il y a quelque chose de primordial qui est en train de se passer dans sa vie. Et quand je dis, et ça fait donc depuis janvier que j'en parle aux parents. Ouais. Et que les parents me disent, oui. Alors, c'est une fois, ils me disent, oui. On va lui dire. Ils ne peuvent pas. Mais ils ne peuvent pas. Ça me fera beaucoup avec ces enfants qui n'ont pas la convention. Les parents pensent souvent que parler à un enfant de choses douloureuses, difficiles, ça va l'abîmer. Alors que pour nous, c'est l'inverse. Ne pas dire est abîmé. Je suis le loup. Je peux la me tourmenter. Non, Pete. Non, le loup. Je ne peux pas te cacasser. T'es quand t'es là, t'es quand t'es insoufflé. Alors, on fait avec la maison? Comment il fait? Il fait toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est moi qui dis, c'est Lolo. Regarde, c'est le petit cochon. Il dit, qui est là? Je suis le loup. Ah, tu es le loup. Et qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Je veux, c'est comme t'es mon moucher. Tu veux me manger? Non. Pas question. Je veux pas, moi, que tu me manges. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait, ce loup? Io mi soffero e fuffero, mi farò cadere su questa casa. Oui, je vais souffler sur ta maison jusqu'à ce qu'elle se casse. C'est ça qu'il dit, ce loup. Vas-y, souffle. Mais fort! Regarde, ils ont perdu son pantalon. Toc, 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 qui est là? Non, c'est nous qui disons ça, c'est les petits cochons, ils disent, qui est là? C'est moi le loup. Ah, c'est le loup, qu'est-ce que tu viens faire chez nous? Je veux te là, ouvre la fenêtre. Mais on ne peut pas ouvrir la fenêtre, tu vas nous manger. Qu'est-ce que tu viens faire chez nous, le loup? Je veux te maman là, j'étais... Tu veux venir nous manger? Ouvrez ce pot. Ouvrez la porte. Non, on va pas t'ouvrir la porte, on a trop peur. Et yo, mes poffero, et poffero, farò cadere questa casa. Tu vas faire tomber cette maison, essaye seulement, tu verras. Il va essayer, le loup. Il va essayer, Francesco. T'as vu, ils ont changé de maison, celui-là. Il est resté dans sa maison? Oui. Non, c'est le loup qui l'a cassé. Et celui-là, il est resté dans sa maison?
Oui. Mais non, oui. Sa maison était toute cassée aussi. Oui. Hein, ils ont tous changé de maison. Oui. Et toi, Francesco, est-ce que bientôt tu vas changer de maison? Oui. Oui, tu vas aller habiter où? Tu vas aller habiter là où on parle italien. Oui. Dans quelle ville? C'est papa et maman qui t'ont parlé de ça ce week-end. C'était loup. Alors, on a parlé de l'histoire du loup. Mais maintenant, moi, je parle de l'histoire de Francesco. Je parle de toi. Tu vas bientôt, après les grandes vacances, tu vas changer de maison. Et tu vas aller dans la maison en Italie, à Rome. Oui. Oui. Comoli qui vient filmer les marionnettes. Oh! Et puis il n'y a pas que Monsieur Comoli, regardez. Il y a beaucoup de gens. Qui est là. Derrière toi. Bah ouais. Ah ouais, il est là. Monsieur Comoli. Et puis devant aussi. Oui, il y a beaucoup de monsieur. Oh là là. Les marionnettes discutent avec les enfants. Oui. Avant d'entrer dans le rôle. Donc elles sont à la fois des marionnettes, oui. En même temps des enfants, en même temps des adultes, en même temps des acteurs. Quoi. Oui, mais si tu veux, on a mis en place ce scénario, on a toujours la famille royale. Le roi, la reine, Oscar et Juliette, qui expriment les sentiments à haute voix que ressentent les enfants. Mmh. Et ça nous permet de pouvoir donner la parole aux enfants et qu'ils puissent partager avec Oscar et Juliette qui disent des mots, des sentiments que les enfants ressentent aussi. Alors, je crois que ça va être l'heure d'aller aux marionnettes. Est-ce qu'il y a oui, les enfants, c'est l'heure du spectacle. Allez-y, vous allez être en retard, sinon à tout à l'heure. Toc, 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 le spectacle va commencer. Oh, des rideaux, je vais me moucher dans les rideaux. Je dois partir de ma maison parce que mon maître il dit que je suis trop vieux. Il a disparu ta maison. Ma maison elle est là. Mais le monsieur il veut me tuer parce que je suis un trop vieux chien et que j'arrive plus à aller à la chasse. Non, j'ai dit chien, je suis dans ta maison et puis faire semblant de sniffler. Hein. Oui, moi, je fais semblant, mais je trouve plus rien. Mon nez est trop vieux, il sent plus rien. Mais tant pis, moi je veux pas rester là, je vais partir. Et comme je chante très très bien, je vais aller chanter pour le roi à Brême. Il y a une ville où ils aiment beaucoup la musique. Je vais chanter, et si je chante bien, le roi il me donnera sûrement à manger. Voilà, je vais exercer ma voix. J'ai entendu mon maître, il a dit qu'il voulait me tuer parce que je suis trop gros, il veut me manger. Ce qu'on a vu dans ces images, c'est vraiment une représentation. Oui. On dit une représentation théâtrale, oui. Là c'est une représentation. C'est-à-dire que c'est à la fois présenté, puisqu'il y a des animaux, il y a la famille royale, il y a le conte qui est mis en scène, il y a le récit, c'est représenté et représenté. Et finalement, c'est moins présenté, c'est dans le sens d'une mise au présent de tous ces fantasmes qui les déchirent, qui les emportent, qui sont en excès, qui les transforment en un objet emporté dans un flux d'angoisse. Quoi. Parfois, les enfants, ils ont peur aussi que leur papa et leur maman...
que les papas et les mamans veulent aussi les renvoyer ou se débarrasser d'eux quand ils font des bêtises, quand ils sont méchants. Ah oui, Julien. Mais moi, je crois pas que les papas et les mamans font ça, hein, Doriane. Oui, mais c'est vrai, ça, Doriane. Des fois, quand maman, elle gronde très fort, on a peur. Mais moi, je trouve que parfois, Julien, il a peur de ça. Oscar et Juliette pourront dire « j'ai peur » ou « ça, c'était horrible ». Moi, mes enfants, ils ne le disent pas forcément. Enfin, Julien s'exprime beaucoup dans cette séquence, mais je les vois sursauter, je les vois se cacher. Donc, je dis, ben, lui, Francesco, par exemple, ben, il s'est blotti dans mes bras, il a eu peur, ça l'a beaucoup touché. Par conséquent, il s'est blotti dans mes bras. Encore à défaut de mots, j'essaie d'identifier les sentiments qu'il a pu éprouver. J'ai dit, mais comme Oscar, tu sais, Oscar, quand toi, tu as eu peur, ben, Francesco aussi a eu peur, ou il a été triste, ou... Donc, j'utilise beaucoup Oscar et Juliette comme modèles affectifs, au fond, voilà, pour nos enfants. Oui, c'est des modèles, mais en même temps, c'est des appuis, c'est des étayages. C'est-à-dire qu'ils jouent avec leur représentation. Ce qu'on voit là, c'est qu'ils se lancent dans la représentation qui présentifie leur passion, comme tous les humains, la mort, l'origine, la destruction, puis en même temps... Le dispositif en série fait qu'ils peuvent jouer avec comme si c'était pas vrai, finalement. Comme si c'était pas vrai, avec une certaine distance, puisque finalement, c'est quand même des marionnettes. Comme si elle avait tout oublié en Afrique. Hein. Tu fais avec moi. T'es prête? Tape, tape. Non, tu fais pas avec moi là. Allez. Tape, tape, petitement. Je t'entends pas, hein, Shaïda. Ouais, non, mais je vois bien que tu essayes de m'embêter là. Hein. Allez, Shaïda, on se redresse. Tape, tape, petitement. Tourne, tourne, joli. Moulin, vole, vole, petit oiseau, nage, nage, poisson dans l'eau. Ah bah elle a pas tout oublié là. Non, les bébés, Shaïda. Lequel t'as envie? T'as envie de jouer avec le calme? Ça. Alors ça, c'est mon bébé à moi. Il va dans le bain, tu as dit? Oui. Alors, attends. Et puis, on peut donner aussi à manger au bébé. Oh non, 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 non! Non? Non. Tu fais le bébé, Olivier, aussi? Puis moi, je fais la maman des bébés? Moi, je fais la gentille maman. Tu fais la gentille maman, d'accord. Ok. Ça joue? Ça joue très bien, puis moi je fais la maman du bébé de Shaïda. Non, c'est moi. Tu fais la maman? Oui. D'accord. Tu fais la grand-mère? Oui. Oui, 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 je dis. D'accord, je dis oui aussi. Oui. Alors? Oh, mon bébé, il va avoir... T'es en train de te mettre du vernis à ongles? Oui. Et puis tu as laissé ton bébé tout seul dans son bain? Oui. Mais le bébé, regarde, il c'est dangereux. Mais non. Bah, il est tout seul dans son bain, c'est un tout petit bébé. Ici, il se noie. Non, il se noie pas. Il se noie pas. Oh, mon bébé, il va avoir froid. Il faut vite que je l'habille. Mais il a froid, l'eau, c'est vrai, l'eau est devenue toute froide. Mais non, non, non. Bah, t'es une drôle de maman, dis donc, toi. Non. Mais regarde, la maman, comment il s'appelle ton bébé, toi? Mon bébé, il s'appelle Thomas. Oh, c'est un petit garçon. Regarde comme la maman de Thomas est gentille avec Thomas. Elle le prend dans ses bras, elle le caresse. Je peux lui mettre. Et ton bébé? Oh, j'ai pas qu'il est. Je crois bien qu'il pleure, ton bébé. Non, non.
Est-ce que je le prends? Non. T'as peur que je te le vole, ton bébé? Non. Voilà, si je faisais un petit peu le bébé. Non. Je vais faire un peu le bébé. Maman, j'ai froid. Non, c'est pire. J'ai très froid. Maman, viens me sortir du bain, s'il te plaît. Non. Mais maman, tu fais que t'occuper de toi. Tu te maquilles, tu te fais les ongles. Non. Tu dors. Puis non. Moi, tu joues jamais avec moi. Tu me parles jamais. Et tu me laisses mourir de froid dans le bain. Attention. Les vagues vont arriver. La mer est pleine de vagues. Oh là là. Tu voyais du jus, moi. Donc, en novembre 2008, Shaïda a présenté une hémorragie importante. Donc, elle avait déjà, à ce moment-là, en novembre 2008, donc il y a 2 ans et demi, donc elle avait à peu près trois ans. Elle avait déjà une taille, un âge osseux qui avait déjà 7 ans et 3 mois. Donc elle avait... Elle est très grande. Oui, et c'est avait... très étrange. Oui. Mais cette taille... Et on voit qu'on prend beaucoup la taille oui. pour se repérer sur l'âge d'enfant. Exactement. Bon. Donc je la suis en psychomotricité 2 fois par semaine en individuel depuis le mois de janvier. Et Shaïda m'a tellement désarçonnée au début que j'ai décidé, de ne pas penser. En séance de psychomotricité, elle ne me bouscule jamais ni se cogne contre moi. Elle se montre par contre très brusque avec le petit lapin de peluche qu'elle utilise à la fin de la séance, pouvant le jeter dans la corbeille où elle le prend, elle l'enfonce dans la corbeille, elle met des cordes par-dessus à la place du duvet, elle lui tire les oreilles, enfin voilà. Shaïda a une difficulté importante dans la compréhension de certaines situations, comme l'encastrement des bois de gigogne qu'elle est incapable de réaliser. Elle ne peut pas mémoriser une stratégie et reprise d'une séance à l'autre, l'activité est chaque fois à reconstruire. Shaïda semble alors complètement désemparée. Elle cherche de l'aide, qu'elle accepte volontiers, ne se fâche pas ni ne rejette la tâche, mais elle recommence indéfiniment avec la même stratégie aléatoire. Donc là, au niveau de ce qu'elle aime faire en motricité, elle fait et elle aime faire ce que font les enfants à 2 ans et demi, 3 ans. Elle va avoir 5 ans. Qu'est-ce qu'elle pense, Nathalie? Donc, c'est pas une synthèse, hein. C'est un point. Un en fait, point. C'est uniquement un peu les changements de ce dernier trimestre. De façon générale, je la trouve moins inhibée. Son mode opératoire afin d'entrer en relation avec moi s'est totalement modifié. Auparavant, ce lien était établi par des brusqueries de sa part. Et actuellement, et cela est particulier, elle ne s'adresse à moi plus qu'au travers d'un registre de rejet. Par exemple, arrête Nathalie, tu m'énerves Nathalie, tais-toi Nathalie, t'es méchante Nathalie, etc. Je colle là-dedans toute la journée. C'est spécial. Hein. Enfin, c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Bon, non, après, moi j'ai encore un petit peu de la peine avec ses compétences. Moi, j'arrive pas à me dire qu'elle est incompétente. Moi, j'ai l'impression qu'elle a énormément de compétences qui sont masquées par d'autres choses. Mais donc, tu poses le pari de l'inhibition. Hein. Oui. C'est qu'elle a des compétences, mais oui. qu'elle a quelque chose qui la bloque. Moi, alors, j'ai reprenons plus les blocages. Sentiment. C'est une enfant bloquée. Ça, c'est de nouveau un autre fantasme qui peut entourer cet enfant. Beaucoup de fantasmes entourent cet enfant. On ne sait pas dans quel sens elle va aller, cette petite. Hein. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'elle est comme pétrifiée sous ces choses, entre guillemets, fascinantes. Enfin, oui. C'est-à-dire le mauvais sort, l'hémorragie, la taille disharmonique par rapport à l'âge, trop grande, une espèce de petit géant. Hein. Et au fond, tout ça est tellement puissant qu'il faut, je ne sais pas comment dire, décompléter tout ça, enfin, trouer tout ça, c'est trop.
Enfin, il y a un enjeu énorme si on pense pour une équipe soignante, parce que si on est trop fixé là-dessus, alors on pourrait presque dire qu'on aggrave le tableau. Absolument. Hein? C'est-à-dire si on est, parce que comme elle est très déterminée, si on en rajoute nous-mêmes, on la prive de sa créativité. Donc il n'y a pas de solution en dehors de l'énigme. Oui. Il faut que ça reste énigmatique. Oui. Coccinelle, demoiselle, paix à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, monte jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle attend. Petit point rouge, elle bouge. Petit point noir, coccinelle, au revoir. La fourmi m'a piqué la tête, la coquine, la fourmi m'a piqué la tête, la coquine, elle avait faim. Aïe! Alors, vous vous rappelez, juste une chose, je rappelle ça pour les ans, pour Shaïda surtout. Pendant qu'on joue l'histoire, on ne touche pas petit ours brun, petit ours beige cette fois-ci. Papa ours et maman ours. D'accord? Et après, vous allez pouvoir les toucher, mais pas pendant l'histoire. D'accord. C'est bon? Ils vont se coucher, le papa ours brun et maman ours brun. Bonne nuit. Il a fait un cauchemar. Attends. Oh, je suis fatiguée. Demain matin, je me réveille tôt. Vas-y, toi. Petit ours brun. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Il y a un monstre, maman. Il y a un monstre. Mais non, les monstres, ça n'existe pas. Si, je te jure, il y a un monstre. C'est le départ du père, c'est ça? C'est le départ du père. Avec le lit et le lit. Et le lit. C'est avec parti. Le père et la mère dans le lit. Dans donc le lit. C'est une scène. Philippienne. Oui, c'est en tout cas suggestive de certaines choses. Qui exclut l'enfant. Oui. Exclut l'enfant parce que le père part vivre sa vie, exclut l'enfant parce que le père est un homme et que la mère est une femme et qu'ils sont au lit. Et ce qui me frappe une fois de plus, c'est que. Tous, quand on, parce que là, le film filme les regards. Mm-hmm. On voit ces regards intenses qui sont très frappants parce que c'est des regards pris de face. Ce jeu, cette mise en scène très simple, finalement, on pourrait dire, un peu scolaire, quoi. Le papa qui part, le père qui couche avec la mère. L'enfant qui est exclu, qui est laissé seul dans le noir avec un monstre sous le lit, quoi. Donc ça fait très scénario classique, mais en même temps ça reste énigmatique en se disant par quoi ils ont été si captés. Parce que ils sont presque ensemble. Oui, ils sont tous différents. Parce que chacun de ces enfants a une histoire singulière. Chacun est unique et différent. Et en même temps, bon, c'est parce que c'est peut-être la dimension du spectacle qui met les sujets ensemble. Dans la maison. Mais, et elle s'est fâchée, maman, après, quand t'es allée dans le lit de papa et maman? Oui, c'est vrai. Ah. Elle a crié? Contente. Oui. Elle a tapé? Oui. Papa, tout ça, c'est pas dis la donc, même chose. C'est pas, non et non, possible. C'est pas que la ronde réveillée, petit coup pour ça. Papa. Hé, papa, c'est pas ce qu'il a. C'est pas possible, ça te regrette. Attends, doucement. Il est fâché avec le papa? Oui. Mais pourquoi? À l'école, c'est de vache. Ouais, on fait l'école. Ah, c'est rigolo. C'est quoi ça? On fait l'école.
Ah ouais, faut bien se réveiller. Il est réveillé, il va se promener avec ça. Ça va? Attends, mais je vais lui donner un bisou quand même. Mais arrête. Ça y est, c'est bon, on va chercher le casque. Si, si. Ça se passe bien, tu vois, il est tout sale parce qu'il s'est roulé dans le sable ce matin. Ma belle est roulée dans le sable. Ça va, salut mon pote. C'est mon pote, moi. Non, c'est mon pote. Non, toi, t'es pas mal. Oh, toi, t'es mon pote. T'as un gentil pote. Oh, comme il va être beau et propre. Alors, lui, c'est mon pote. Non, lui aussi, c'est mon pote. Salut, mon pote. Lui, viens. Je vais chercher une pose pour que tu aies redormi. Ouais, mon pote. C'est mon pote. On va laisser manger un petit peu l'air, un petit peu, et on va changer les vêtements. On regarde, c'est bon, Cyril. Salut, c'est pas beau, il manque un peu d'herbe. Une fois, un papa et une maman ogre qui pensent qu'à manger des enfants. Quand ils en ont fini un, ils en mangent un deuxième. Ils mangent des tas de choses aussi. Mais petit ogre, il déteste ça. Et ce petit ogre, il veut aller à l'école. Allez, venez manger! Allez, à table, venez manger! Allez, mais mange donc! C'est pas bon ce que tu fais, on dit que c'est pas bon ce qu'ils font. Non, c'est pas bon ce qu'ils font. Comment c'est pas bon? Allez, tous les autres, ils mangent les enfants. Ah, oui, allez, je vous ai fait des bons enfants. On veut pas manger. On adore. Allez, toi t'adores, tiens. Mais est-ce que tu jettes pas tout ça? C'est dégoûtant, on veut pas. Hein. C'est bon? Voilà, toi aussi t'as tout mangé. Bon, bravo. Allez, et vous avez mangé, vous avez mangé des enfants, vous savez. On peut boire un yaourt. Tiens, tu peux avoir. Ah ben non, il n'y a pas de yaourt, il n'y a que des enfants. Il n'y a que des enfants à manger. Un yaourt aux enfants. Un yaourt aux enfants, d'accord. Allez, tiens, un yaourt aux cheveux d'enfant. Moi, je veux manger. Toi, tu manges les enfants. Oui, mais toi aussi. Tu dois manger les enfants. Oui, oui. C'est pas évident hein, pour moi d'avoir cet extrait parce que c'est une tentative nouvelle d'un groupe différent et nouveau qu'on a créé In Vivo. Et puis Jean-Louis et l'équipe étaient là. Ben, ils ont assisté à nos débuts dans ce type de groupe. Et en fait, c'était... Ces deux enfants-là, plus un troisième, étaient dans un autre groupe qu'on appelle le groupe Psychologo, qui est un groupe qui est basé aussi sur le jeu psychodramatique. Et les enfants jouent directement leur personnage. Et Julien était mille fois trop éclaté, il piquait des crises épouvantables. Alaya, elle ne s'intéressait qu'à certains détails et puis ne pouvait pas pénétrer dans l'histoire. Et ce groupe-là, on l'a créé parce qu'on pensait que pour Julien et pour Alaya, c'est important de travailler autour des affects de manière plus groupale. Donc comme sur leur corps direct, c'était trop difficile, trop éclatant, trop explosif, on a décidé d'essayer avec des marionnettes, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se représenter à travers quelque chose qui devient l'intermédiaire entre le récit... Et eux-mêmes. Bon, j'en ai marre de manger toujours la même chose. Vous pouvez apprendre à lire et après il y aura des bonnes recettes de cuisine. Vous pouvez manger du mouton, je du veux poulet. Bien essayer, ça a l'air bien. Ah, alors, et bien. Moi aussi je vais essayer. Bon. Il me faut une nouvelle maîtresse. Hein. Pourquoi une nouvelle? Bah, parce que l'autre vous l'avez mangé. Hein. Le petit ogre va apprendre à lire. Puis après, il est dans sa chambre, puis il lit à haute voix un livre. Puis les parents sont derrière la porte, puis ils écoutent.
et leur curiosité de voir ce que fait leur petit enfant ogre. Et puis, ils sont émerveillés par l'histoire qu'ils entendent. Donc, ça leur donne le goût de l'histoire, de la lecture. Le goût de la lecture plutôt que le goût de la dévoration. Absolument. Et puis après, le petit ogre leur lit à haute voix un livre de recettes. Et du coup, moi, je me dis, moi, j'adore cette histoire parce que je trouve qu'on passe du passage de la dévoration à la dégustation, justement. Oui. Et au plaisir de... Ben oui, on entre dans le monde de la culture, plus de la nature. On est dans le cru et le cuit, comme dans les Strauss. On apprête les plats, on fait des tartes aux pommes, plutôt que de dévorer les maîtresses. Voilà. Hein? Donc là, il y a l'histoire de la mise en jeu de la lecture, comme une autre scène, finalement. Un autre mode symbolique. C'est-à-dire, on imagine... On lit et on découvre aussi un autre rapport à la dévoration. Ouais. C'est-à-dire, comme tu dis, la dégustation à la place de la dévoration, c'est-à-dire la culture à la place de la nature. Ouais. Un nouveau destin de la pulsion. C'est plus seulement la pulsion dévorée, mais c'est la pulsion sublimée. Absolument, oui. On va essayer de goûter ce truc bizarre. Regardez, et si vous aimez ça, après je vous apprendrai à le faire et vous allez pouvoir faire plein de bonnes choses. Fromage, du pain, et voilà. Est-ce que c'est bon? Alors mets-le dans la marmite, on va le cuire. Non, je veux d'abord goûter ça et après la mettre. Est-ce que c'est bon? Je la finis. Alors je vais faire la même et je la mets aussi. Est-ce que c'est meilleur que les enfants? Ouais, c'est meilleur. On va essayer. Tu veux goûter? Tiens, goûte un petit morceau. Ils sont sur le seuil de l'école. Enfin, ils sont sur le point de partir du jardin d'enfants thérapeutique. Il y a aussi ça qui se joue là-dessus. Ah oui, parce qu'ils vont entrer vraiment dans le monde scolaire. Dans le monde scolaire. Ils vont vraiment aller à l'école en automne prochain. Donc ils vont remplacer le fait de dévorer les maîtresses par... En dévoration, on espère. Par être dévoré par un ordre scolaire qui ne va peut-être pas les accepter. Tu veux mettre quelque chose dedans encore?
Ah, ben voilà, Chahine, tu dois mettre ton doigt fort. Qu'est-ce que tu fais? Hé, Loris, qu'est-ce que tu dessines? La mer. Tu fais un bateau aussi? Avec un maman bateau. Et papa? Alors, il y a maman, Loris, et voilà. C'est sympa. C'est sympa. J'attends qu'il revienne. Alors, c'est difficile d'attendre qu'il revienne. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'il faut que je le ramener plus qu'autre chose. C'est ce qu'il y a d'intéressant à faire. Loris, regarde ce qu'elle a porté. Regarde. Tu me diras si parce que pour moi, ils sont, à un moment, ça devient stéréotypique. Hein. Et en fait, ils se. Ok, ils parce qu'on va le dessiner, après, il l'effaçait. Et après, on commence à le. Ça dure combien de temps, le temps en contact environ? Oui, c'est avant qu'ils se qu'il s'enferment. Là, on vient de commencer, donc 3 minutes. La mer, j'ai peut-être 35 secondes. Tu veux pas choisir ça? Viens, là, viens, 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 ta soeur, c'est bon, prends bien. Regarde, on va prendre des petits bols. Tu vas faire des petits bêtises. On y passe. Gamine. Et Loris, Loris, Loris. On va mettre le petit bol là-dedans. Et Loris. Au revoir, papa. Loris. Loris, tu veux qu'on dessine la mer? Non. Viens, on prend une feuille et on dessine la mer. Oui. Ouais, viens, dessine-toi. Dessine-toi. Regarde, je vais prendre une feuille. Encore une feuille. Encore une feuille. La mer, la montagne. Ah, la montagne, tu veux? On peut faire la montagne si tu veux. La chanson des poissons. Oui. T'es prêt? Oui. Attention. Petit poisson, petit poisson. Nage, nage, nage. Petit poisson. Glou? 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 Oui. Oh non! Oui. Le petit poisson s'est fait manger par le... Barracuda. 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 Nage, 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 barracuda. Glou? 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 Ah non! Oh non! Le barracuda s'est fait manger par la jolie... Et puis... pieuvre. Jolie pieuvre, jolie pieuvre. Nage, 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 jolie pieuvre. Glou? 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 Ah non! Oh non! La jolie pieuvre s'est fait manger par le méchant... requin! Requin. Méchant requin, méchant requin. Nage, nage, nage. Méchant requin. Glou? 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 Le méchant requin s'est fait manger par la grosse baleine. Baleine. Grosse baleine. Grosse baleine. Nage, nage, nage. Grosse baleine. Ips, ips, ips. La baleine a trop mangé. Mangé. Bravo. Bravo. Tu l'aimes bien celle-là. Tu veux aller ouvrir la porte? Oui. Ouais, vas-y. Ouais. On va faire un petit exercice d'écriture. Non, 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 non. Tu découvres pas. Tu suis, tu essaies de suivre les vagues. Si c'est difficile, tu me dis, moi je t'aide. Essayez d'être un peu dans le silence. Oh, je sais pas. Vas-y, vas-y. Qui a volé mon chapeau? Bonjour, je suis Oli. Essaye d'être un petit peu dans le silence, vas-y. Donne-moi ça. Chut, sans lever la main. Essaye sans lever la main. Arrête. Arrête. Chut.
C'est trop difficile. C'est super, c'est... Non, mais t'arrives très bien, c'est oui. Très bien comme ça. Non, regarde, c'est facile comme non, ça. Non, c'est juste, c'est très bien. Continue, sans lever ta main, c'est très bien. Ça, c'est quoi, violet? Le violet, il sera le perdant. Ça, ça va aider pour faire des U, pour faire des N. Ils sont tous gagnés. Oui, il y a tous gagné. Voilà. Regardez mon bouchon. Là. Voilà. Super. Tu peux ranger dans ta boîte. Vous vous rappelez le jeu avec les alphas? Eh, c'est moi qui ai les jaunes. Il va te lire. Julien, c'est moi qui ai les jaunes, regarde. Julien, écoute, tu fais comme il faut le jeu, d'accord? Eh, tu sais, regarde, moi j'ai des jaunes, moi. Il va te les rendre. Alors, allez-y, prenez votre petit cahier. Commencez. Lui m'a pris. Moi, je n'aime pas les jaunes. Tu lui rends les jaunes, s'il te plaît. Tu les lui... Non, autrement, ça va pas. Tu restes pas avec mais nous pour les jouer. Jaunes. Tout à l'heure. Mais les jaunes. Elle commence et tout à l'heure, on change les cartes. Ah. Tiens. Merci. Voilà. Il y a un moment, Julien. Bon, alors moi, je vais... Bon, Julien, alors, moi, je vais le faire. Alors, je crois que si t'as pas envie... Tu me pètes la nuit. Bon, Julien, tu veux pas rester avec nous? Non. Non? Moi, je veux... Oui, bien, regarde. Voilà, c'est juste. Montre. Eh oui, regarde, elle a trouvé. C'est les mêmes lettres. C'est les lettres pour faire lapin. Oui. Vas-y. Ours. Julien, tu fais quoi? Tu veux pas faire? C'est pas ça. C'est dommage, hein. En plus tu l'aimes bien ce jeu. Victor, à toi. Ça va le faire. Vas-y, continue alors. T'as trouvé les lettres qui font lapin. Mon petit lapin, as-tu du chagrin? Tu ne sautes plus, tu ne cours plus dans mon jardin. Saute, saute, mon lapin. Vendredi, il y a eu une montée de violence. Oh il a jeté une grue sur Loris, il a lancé une pierre sur, sur Olive. Et moi, j'arrive au jardin d'enfants, je le faisais remonter du jardin, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là. Enfin, ouais. Et puis, je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut qu'on parle, Julien, ça ne va vraiment pas du tout. Il s'est mis à hurler, Nathalie, Nathalie comme si j'allais l'assassiner. Et puis... Il me fait peur en ce moment. Ouais. Et je l'ai, je l'ai pris de force dans mes bras pour l'emmener, alors j'ai reçu plein de coups de pied, pour l'emmener dans la salle de, où il y a la télé. Et puis après, il a voulu grimper, il grimpait sur les petits tabourets en mousse, tu sais, pour aller se laver. Donc c'était dangereux. Donc je l'attrapais, je lui ai dit, je te permets pas de monter là. Je le redescendais. Et finalement, il a accepté de s'asseoir près de Nathalie, mais il avait... T'étais là aussi, Nathalie? Ah, c'était indispensable. Il a... Je crois qu'il avait... Il avait vraiment l'impression que j'allais le tuer, je sais pas quoi. Mais puis le matin, c'est la première fois que je l'ai fait remonter de l'école. Ça, ça a déclenché, en fait. Ah, voilà, c'est ça, avant. Mais c'était Nathalie. Nathalie, c'était sa survie, hein, Nathalie, à ce moment-là. Et puis, ils se sont assis tous les deux sur les matelas. Et puis, je lui ai dit que ça n'allait pas. Et que j'allais demander à Nathalie de me téléphoner s'il avait la moindre chose qui n'allait pas dans la journée. Je voulais que Nathalie me téléphone et que moi, j'appellerais son père pour qu'il vienne le chercher. Parce que je ne pouvais pas accepter qu'il mette les enfants en danger de cette manière-là. Ni que lui, d'ailleurs, se mette en danger. Et alors là, c'était l'angoisse, le pauvre. Et puis après, c'est « je veux mourir ». C'était complètement déchirant. « Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir ».
Et puis, nous, on lui disait, mais écoute, nous, on t'aime beaucoup, on n'a pas du tout envie que tu meures, on veut te garder en bonne santé avec nous, et puis, il n'est pas question qu'on te laisse te faire du mal parce qu'on t'aime. Mais c'était, il était vraiment déchirant. Et il y avait, et tu sens là une culpabilité immense, un besoin de se faire punir aussi. Il se punit en descendant les escaliers, il se mordait. C'est grave, il faut qu'on mette d'autres moyens en place pour qu'il puisse intégrer quelques règles. Mais ce qu'on peut peut-être encore offrir à Julien ici, c'est qu'on fasse un contrat avec Julien. Moi, je pense que si on a un contrat qui fait stable, tu fais ça, eh ben, il y aura ça comme répercussion, voilà. Sans que ça soit dans la colère et dans l'agressivité. Moi, je pensais plutôt, je me suis dit, pour pas en fait que ça soit vraiment cristallisé sur lui, de mettre en place une sorte de règlement interne, afin que s'il sort du règlement, la sanction, elle dépend du fait qu'il soit sorti. Elle est stable. Dis-moi comment tu t'appelles, je voudrais savoir ton nom. Tu t'appelles Francesco. Tu t'appelles Francesco. Oh le joli nom. Dis-moi comment tu t'appelles. Je veux savoir ton nom. Je m'appelle Cucu. Tu t'appelles Shaïda. Oh le joli nom. Dis-moi comment tu t'appelles. Je voudrais savoir ton nom. Oui, c'est vrai. Tu t'appelles Ludovic, oh le joli nom. On va faire une réunion très 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 courte. Une réunion aujourd'hui. Non, Julien, justement, on va faire une réunion pour rappeler les règles du jardin d'enfants. Les cases de risque. Alors, est-ce qu'on peut se taper? Non. Est-ce qu'on peut se lancer des objets à la tête? Non. Quoi? Julien, est-ce qu'on a le droit de se lancer des objets à la tête? Non. Est-ce qu'on a le droit de se cracher dessus? Non. Est-ce qu'on a le droit de se mordre? Non. Est-ce qu'on a le droit de courir? Non. Oui. Est-ce qu'on a le droit de casser les jouets des autres? Non. Est-ce qu'on a le droit de mettre dans la poubelle les jouets des autres? Non. Est-ce qu'on a le droit de les jeter dans les toilettes? Non. Non. Est-ce qu'on a le droit de se fâcher? Non. Oui. Et on a le droit de se fâcher? On a le droit de se fâcher avec des mots. Non. On n'a pas le droit de se fâcher en tapant. Non. D'accord? Et maintenant, si un enfant ne respecte pas ses règles, si un enfant jette quelque chose à la tête d'un autre enfant ou d'une grande personne, alors un enfant qui fait ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire? On ne peut leur dire pas punir. Non, on peut leur dire pas punir. Exactement. Comment? Mais en faisant quoi? On ne donne pas des coups de poing. Non, on ne donne pas des coups de poing. Quelle punition vous imaginez? Elle est dans la cuisine. Allez dans la cuisine. Allez dans la cuisine, c'est une bonne idée. Alaya, quoi comme punition? Bonjour, moi je sais pas du tout moi. Tu sais pas. Qu'est-ce que tu as comme punition à la maison, Alaya? Est-ce qu'on a le droit de vous donner des fessées quand vous faites des bêtises? Non. On n'a pas le droit Pas de fessées. Les maîtresses, elles donnent pas des fessées. Est-ce qu'on a le droit de vous donner des gifles? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme punition ici quand vous faites une bêtise? Julien, c'est le seul qui a dit pour l'instant. C'est allez à la cuisine. Allez dans la cuisine sans jouer, assis sur une chaise. Pendant combien de temps? Sans jouer. Pendant combien de temps les enfants? Non, sans jouer. Moi, sans jouer. Bah non, parce que c'est comme. C'est pas une punition. Je ne jette pas les poupées dans les toilettes. Sans jouer. Combien de temps? Longtemps ou pas longtemps? 5 minutes ou une heure? Ça va pas du tout. Par exemple, ça, je ne suis pas d'accord. On est en train de discuter pour essayer de voir comment on peut faire quand un enfant fait des choses qu'il ne doit pas faire. Et puis toi, qu'est-ce que tu fais? Justement, tu lui jettes le doudou à la tête. Alors maintenant, ça suffit. Regarde, trop fort, il va se taper dans le mur. Le deuxième, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais? Vous voulez vous mettre les deux ensemble?
J'ai lu une histoire d'un petit souriceau. Un petit souriceau qui part et puis il raconte à sa mère, à sa grand-mère qu'il a traversé une mer et qu'il était grande et tout. Puis sa mère, sa grand-mère, elle dit « Ah, mais c'est la petite flaque !» Et puis à la fin, le petit souriceau, il se met à pleurer. « Là, je ne suis pas du tout courageux, je ne suis pas le plus fort et le plus grand du monde. » Et puis, au cabinet, et ça, puis la grand-mère le console, il dit « Mais pas du tout, tu es très courageux parce que tu es encore, enfin, je ne sais plus quoi. » Et elle lui dit « Tu sais, tu es un tout petit souriceau encore. » Alors pour toi, une petite flaque d'eau, c'est aussi grand qu'une mer. Une petite motte de terre, c'est aussi haut qu'une montagne. Et deux petites musaraignes, c'est comme des ours pour toi. L'essentiel, c'est que tu n'as jamais eu peur. Et alors, tu es vraiment le plus fort, le plus courageux, le plus agile des animaux du monde. Et ça, c'est... Papa. Papa, et ça, c'est... Maman. Maman. Alors, moi, je commence l'histoire. Écoute. Coucou. Écoute. Coucou. Le papa, il dit, tu sais, Ludovic, maintenant que t'es devenu, t'es grand et courageux et fort, tu vas partir au camp avec les autres enfants. Tu vas partir au chalet avec les autres. Et qu'est-ce qu'elle dit, la maman? Elle est où? Elle est là. Non. Elle dit oui ou non? Oui. Elle dit oui. C'est très, très bien. Tu sais quoi, Ludovic? Je serai un peu triste. Oui. Tu vas beaucoup me manquer. Je vais peut-être pleurer aussi le matin où tu partiras. Mais je suis très, très contente que tu partes en camp avec les autres enfants. Et alors, comme papa. Tu vas au camp avec papa? Oui. Non, alors les papas et les mamans, ils ne viennent pas. Ils ne peuvent pas venir. Au revoir. Mais regarde, ah ben voilà, regarde, on dit que c'est le... Oui, elle est où ta voiture? Là. Regarde, on va dire que c'est le bus pour prendre les enfants, oui. Tu veux? Oui. Et regarde, le papa et la maman, ils sont tous les deux là. Et puis, tu te mets où dans le bus? À côté d'Alaïa? Oui. Voilà, regarde, vous asseyez dans le bus. Dans le bus avec Alaïa, puis Ludovic, il s'assoit là. Hop. Ah, c'est le coco. Voilà. Le coco. Non, c'est Alaïa. Ah, non. On a dit Alaïa. Alaïa. Non, coco. Coco, bon. D'accord, mais sauf que Nicolas, pour de vrai, il viendra pas au camp avec toi, tu sais. Et regarde, le papa et la maman, ils disent au revoir. Ils nous sourient. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Dis au revoir. Oui. Dis au revoir avec les mains. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Et le papa et la maman, qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que tu crois qu'il va être content au camp? Qu'il va bien dormir la première nuit? Oui. Elle dit oui, la maman. Oui. Tu veux qu'on passe la première nuit au camp? Non, non, non. Au revoir, amusez-vous bien. Ah, c'est toi qui vas la faire. Non, là, c'est moi qui fais, tu vois. Dans la pièce ici où il y avait Alaïa, Julia et Francesco.
Julien m'a sauté dessus en me disant que je n'avais pas le droit d'être là. Il m'a dit je vais te tuer. Exactement. Et après, t'as dit je vais te massacrer. Bah dis donc, t'étais comme ça fâchée avec Dorian. Stop. Oui, stop. Mais tu sais quoi, ce que j'aimerais vous dire, est-ce que vous pensez qu'il peut, les autres, écouter bien? Est-ce que Julien peut vraiment... Tais-toi, t'as pas le droit de parler. Non, maintenant Julien, tu te tais. Comment je parle, quelqu'un t'empêche d'écouter. Tu entends? Est-ce que vous pensez que Julien, il peut me tuer pour de vrai? Non. Et... Oui, c'est quand je serai grand, je peux te massacrer très fort. Mais ça tu... peut mourir. C'est ma maman. C'est ta maman qui a dit ça? Ma maman, elle a dit, si on, ça veut dire massacrer, ça veut dire on tape très fort, taper très fort, juste quelqu'un qui meurt. C'est juste. Mais est-ce que tu penses que tu pourrais me tuer maintenant et me massacrer maintenant? Pas maintenant, mais quand je serai un adulte. D'accord. Et qu'est-ce qui se passerait si tu tuais quelqu'un pour de vrai? Moi, en plus, je serai en prison, c'est bête. Ouais. Est-ce que t'es en... C'est bête, exactement. C'est exactement ça. Tu dis pas ça, Dorian. Bah, moi, je vais faire comme ça. Si, je oh, mal. Oh, mon million. Ça serait bête de passer ta vie en prison. Mais maintenant, on peut... Pas toute ma vie, hein. Ah bah là, ça serait toute ta vie. Si tu massacres des gens, ça serait toute ta vie. Il avait perdu depuis peu son éducatrice de référence. Il savait qu'il allait partir à l'école. Il était convaincu qu'il parte à l'école parce qu'on ne voulait plus de lui. C'est dans ce contexte-là que toutes ces choses-là se sont passées aussi. C'est dans ce contexte-là qu'il a mis le sac en plastique sur la tête. Oui, oui. Le père nous expliquait qu'il avait parlé du jeu du foulard. Et le jeu de foulard, qui est ce jeu où on expérimente la limite entre la vie et la mort. Absolument. Comme si on se sentait mourir à peine. Oui. Alors, il y avait tout ça dans le contexte de la mort. Et moi, j'étais impressionnée quand je l'ai entendu. Je redis, enfin, en regardant ça de nouveau, l'histoire de, au fond, vouloir aller en prison. Parce que là, c'est un contenant pas très agréable, mais au moins qui contient, qui l'empêche de faire du mal et de se faire du mal. Et ces paroles aussi, ce que j'avais là, j'avais oublié les histoires de toutes les personnes qui veulent tuer, massacrer toutes les personnes qu'il ne connaît pas. Et là, il y a ce mot massacrer qui tombe comme un mot tout à fait spécifique. Ça s'avère très précis. C'est sa mère en plus qui lui a dit quelque chose sur massacrer. Oui, qui expliquait. Hein? Ouais. Qui expliquait. Et ça, il y a un jour, on peut massacrer. C'est quoi ce mot massacrer? Parce qu'à un moment, c'est tuer. Et à un autre moment, c'est massacré. Tuer, pour moi, c'est presque plus fort que massacré. Voilà, massacré, il y a une représentation. Tuer ou se tuer, il n'y a pas de représentation. C'est qu'après, c'est une sorte de silence. Oui, et lui, il s'imagine dans le nuage. Hein. Ouais. C'est-à-dire que, bon, la destruction, c'est... Parce que pour moi, massacrer, ça fait plus... On entend ça plus comme la puissance. Hein. Massacrer, c'est... C'est vraiment la destruction, et accompagnée d'une certaine jouissance. Tandis que tuer ou se tuer, c'est sombre. Oui. C'est-à-dire, si on se dit c'est une leçon sur ce que c'est que l'humain, il y a cette catégorie massacrée qui est là chez lui. Mm-hmm. Mais quand il sera plus grand. Okay. Hein, mais parce que c'est un malin aussi, parce qu'il sait qu'il n'est pas assez fort là pour me faire du mal pour de vrai. Oui. Donc, j'ai trouvé que quand même, c'est un enfant qui était bien inscrit dans la temporalité. Oui. Non, puis bon, ensuite, il joue avec le stop. Parce que là, il te met un stop quand tu parles. C'est un stop pour la parole, qui est peut-être aussi un stop pour lui. Parce que, bon, on peut imaginer massacrer ou bien massacrer. C'est deux choses différentes. Quoi. Mm-hmm. Et là, il dit stop. Il dit stop pour lui et pour l'autre. Donc, il a pas mal d'humour. Ah oui, mais moi, ça m'a fait rire. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il m'a dit non, quand je serai grand. Oh,
que je vous attends. Et j'ai le dos dormi, mais non. D'accord, papa. Tu viens me faire un bisou? Et toi, Ludovic, tu viens me faire un bisou? C'est maman qui fait le bisou. Qu'est-ce que tu fais, Ludovic? Tu fais la chanson pour se dire au revoir? Oui. Oui, d'accord. Alors, on va partir. Maman. Au revoir. Non, tu veux pas qu'on parte? D'abord, papa. C'est papa qui fait la chanson avec nous? Oui. D'accord. Non, tu repars. Non, tu repars. On va prendre aussi la petite sœur pour dire au revoir. Je t'explique, mais tu ne tires pas un collier. Mais depuis qu'il a pu dire, que sa maman ne voulait pas qu'il grandisse. Ah, c'est dingue. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Et il l'a dit quand? C'est lui qui l'a dit. En présence de la mère. Enfin, j'exagère. Il ne m'a pas fait une chose aussi magnifique. Ouais. Hein. Non. Mais je posais des questions à la rendez-vous, puis il me disait oui ou non. Et ça, il avait très, très bien. Oui, il est très clair. Il t'a vu la corde de la question. Est-ce que il maman a touché la corde. Tu crois que maman ne veut pas que tu grandisses? Il m'a dit non. Tu es en train de me dire tu ne veux pas quoi. J'ai fait répéter 2-3 fois parce qu'il ne faut pas interpréter de travers. Ouais. Et puis la mère était suffoquée. Mais enfin, bien sûr, je devais que tu grandisses.